Alors, un futur bébé, héritier de l'héritier défenestré, un mariage forcé avec un mort, vous-même séquestré, et tout ce beau monde qui s'appelle presque unanimement Augusto, là j'avoue que je suis un peu dépassé. Hein. On va recommencer. La pute nous donne de ses nouvelles. Katia va se marier? Au Brésil! Elle se marie au Brésil, cette connasse. Ça fait un an qu'elle nous calcule pas, il faudrait qu'on rappele comme des chiennes. Bah, franchement, moi je veux bien être une chienne au Brésil. Hein. Ouais, moi aussi. Heavy baile nessa porra. Katia, c'est elle. Oui, en fait, nous. Gino, c'est Augusto Junior, c'est le mort. Exactement. Nous, on est là par amitié. Bah oui, fait, c'est le mort. Son mariage. Voilà, et son beau-père qui lui confie son passeport. Son beau-père l'a menacé. Hey, Françaises! On appelle les flics, on leur explique qu'on prend trop et c'est terminé. Ah ouais, on leur dit quoi? Ça se trouve, le mec, il est pas mort. Non, à mon avis, c'est sûr. Hein. Vu la taille de l'immeuble, il a juste un petit peu mal aux couilles. Tu penses que c'est le moment de faire de l'humour, toi? Mon beau-père veut me voler mon bébé. J'ai plus de papier. Si mon propre pays me tourne le dos, j'ai plus qu'à me tirer une balle. Rapace! Doucement. Vous pouvez arrêter avec ce masque de méchanceté à cause duquel j'ai quitté la France? Merci! Qu'est-ce qu'elle fout de ces conneries? Vous avez dit que c'était une tanasse, et bah ça va être une bonne tanasse.